Que savez-vous des sangs purs? Les ancêtres des hybrides. Une race ancienne née dans cet état normal. Eux n'ont pas été transformés. Ils ont disparu. Vous ne devriez pas parler d'eux au passé. Ils sont bel et bien présents. La suite s'annonce bien, messieurs dames. Hey, salut YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. On est back, messieurs dames, de retour sur The Order 1986. Finalement, contrairement à ce qu'on a pu dire lors des tout premiers épisodes de la série, on aura fait ça en deux sessions. Parce que là, je te le dis, on est le lendemain. Et en fait, on a bien plus joué dans la première partie que ce que je pensais. Du coup, je me suis dit pause. De toute manière, bah écoute, on a le temps. En plus, prochainement, une grosse aventure nous attend. Donc, autant se permettre de faire ça bien et donc de décomposer le mouvement si la fatigue se sent. Et puisque la fatigue commence à se sentir hier 20h30, je me suis dit bon, si on est parti jusqu'à minuit, on va s'arrêter là, je pense qu'on sera bien. Et bonjour, bonsoir Kazma qui nous rejoint, je rappelle, pouce bleu, commentaire, description, le Twitch est là, rejoignez-nous pour la suite, parce que prochainement, il y a du beau contenu qui arrive et je vous le dis, ça s'annonce qualitatif. On est bien. La structure s'est effondrée, ici. Galant chevalier. Ça fait plaisir. Chapitre 9. Je les ai déjà une improbable alliance. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on se rappelle. Si vous on n'est plus du côté de l'ordre, hein, là. Montrez-moi des preuves. On est avec l'ennemi. Il y a du complot à l'intérieur des complots. Les souterrains ne font que s'étendre. Mais honnêtement, voilà. On l'a senti venir. Hein. Très clairement, Oui. Ah, je vous le dis, hein. Pourtant, j'ai pas un bon... un bon nose, mais... Non. Ça se sentait. Aïe. En plus, on fait des épisodes en avance. Mais oui, YouTube. Quand tu verras cet épisode, on aura terminé le jeu depuis un moment, hein, et on en aura déjà commencé un autre. Incroyable. Quand vous... Terrible. Qualitatif. Ok. Par contre, tu vois, je me remémorais un petit peu l'ambiance, l'histoire, les mécaniques, tout ça. Et j'ai beau avoir dit dans les premiers épisodes qu'il y avait des choses qui étaient... bancale ou des choses très fragiles au niveau mécanique et autres, bah, une fois que tu l'as accepté, finalement, le jeu est très très bon. Hein. Et c'est vrai qu'un pote me disait, bah, moi j'attends qu'une chose, c'est une suite. Bah, je sais pas comment on va se terminer l'aventure, mais c'est vrai que si on reprend ce délire de l'ordre, de la chevalerie, du fait que chaque personne est son énième voilà la sortie. Précurseur, enfin comment dire, son héritier fois X, tu vois, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen, en fait, de faire une suite à ce jeu. Et carrément même de créer toute une anthologie. Mais à voir. À voir comment ça pourrait être fait. Après, je trouve ça aussi intéressant que ça puisse être juste une expérience. Ok. On est parti, monsieur, dame. Toujours avec cette ambiance très cinématographique. C'est stylé. Hein. Non, franchement, c'est stylé. La mise en scène et tout et tout. Cette propriété est privée. Ouais, je sais. C'est ce que je craignais. J'étais perdu dans les tunnels. Et vous êtes qui, vous? Un simple voyageur perdu dans cette ville infernale, on dirait. Pourriez-vous me dire où nous sommes? Blackwall Yards, quai de la United India. Oh, absolument pas où je pensais. Vous allez devoir repartir d'où vous venez. Retourner dans les tunnels? Oh. Ce serait tout de même plus simple de repartir par la rue, pas vrai? Faites demi-tour, allez! Ça fait plaisir. N'ayez crainte, il fait une sieste. Même s'il risque un mal de crâne au réveil. Comment s'appelait déjà l'héroïne dans le film Assassin's Creed? Vous savez, il y a le personnage principal. Et il y a une assassin. Bah, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Je sais plus si elle était indienne ou quoi dans le film. Mais ma nouvelle amie ici présente, là, Sa Majesté, elle a une dégaine d'assassin. Hein. Non, mais pire que ça. Je la vous ville jure. A rendu les quais. Trouver un moyen de rejoindre il y a la un rue. Levier de oh merde, j'ai cru que c'était une pelle. Oh, je me suis. Oh, trop bien, je vais me battre au corps à corps et tout. Ah oui, au fait, ce jeu n'est pas un jeu à corps à corps. Hein. C'est-à-dire que hier, j'ai rematé un petit peu pour voir voilà, si tout était. Tranquille, s'il n'y avait pas de problème de son, de rendu ou quoi, c'est pas un jeu à corps à corps. Hein. Et je m'en rends compte parce que à chaque fois que j'ai tenté un corps à corps, ça s'est plus ou moins toujours mal fini. Attends, je suis en train de faire une connerie là, non? Non? Oui, d'accord, ok. C'est juste que... Fait que ça monte au cerveau. Hein. Ok, on y va!
On y va. Oh, ils vont me faire le coup de la brique qu'on déplace. Il va falloir se battre à couvert et tout. Oh, je le vois gros comme ça. En vrai, si c'est ça, ça me va. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Eh, hey, je crois que c'était toi, Lina, qui disais hier... ouais, c'est marrant, Perceval, au moment où il a reçu le flingue de Tesla, comme par hasard, il avait déjà de quoi le mettre. Bah, j'ai l'impression, moi, qu'ils ont toujours... un peu... mince, comment ça s'appelle, ce truc? Cette... Bref, ils ont toujours de quoi mettre une arme, tu vois? Mince, comment ça s'appelle? C'est bon. Arrêtez. Oh, on c'est... devrait pouvoir monter d'ici. Zut! Bonne idée. Il y a un passage. Là, j'ai l'air d'un bouffon, mais encore plus que d'habitude. Mince, c'est une... un étui, merci. Oui, bah tu vois, moi je pense que Perceval, il avait déjà son étui. Tu vois, je pense que j'excuse peut-être trop le scénario. Un marteau! Ça appartient à un certain S. Lawton. On aime quand ça mouline, nous. Oui, tout à fait. Ok. Bon. On est bien, on est bien. J'ai fait un petit tour des trophées, hein, mais c'est vrai que... le mode normal est difficile, mais à partir du moment où... ah, je peux pas le pousser plus. Ah oui, d'accord, ok. À partir du moment où, en fait, tu veux juste te faire le platine, t'es même pas obligé d'y jouer en difficile. Hein. T'as pas de trophée de la difficulté en soi. Hein. Une fois que t'auras terminé le jeu, bah, il te reste les collectables à faire. Et à part ça, bah, t'es globalement bien. Hein. En vrai, j'ai loupé des collectables. J'en ai loupé, c'est sûr. C'est sûr. Déjà, j'ai quelques œufs en tête, là, comme ça. Mais, ouais, je pense qu'on est quand même pas trop, trop mal. Hein. Déjà, on a 45% des trophées. Alors qu'on a fait un peu plus de la moitié du jeu, j'ai envie de dire, on est bien. On est bien. Qui est de la United India, Blackwall. Par ici. Attendez. La promenade m'appelle. C'est grand ici, eh. Waouh! Mais c'est même plus que grand. Attends, parce qu'il y a plein d'endroits où aller, c'est un délire. Par ici. Là, c'est le moment où en fait tu t'avances un peu sur le scénario. Et vous allez voir que dans 2 minutes, quand je vais être face à la porte, elle va me dire faut trouver un autre moyen d'entrer. Ah oui. Ah mais je le vois gros comme ça hein. Gros comme ma dague. Et rien d'autre. C'est trop gros pour n'être que du secondaire. Ah non mais clairement hein. Clairement. Ou alors par la suite on va se faire un gros demi-tour. Vous êtes pas prêts. J'ouvre la grille de l'intérieur. Là, je vous aide. Faites vite. Une patrouille peut passer ici d'un instant à l'autre. Juste un peu de patience. Sniper! Bon bah voilà. On le savait, hein, Accédez au sniper. Ah, restez oui, bien sûr. Je vais m'arranger pour neutraliser ce sniper. Attends. Parce qu'en vrai, je suis pas obligé d'aller le voir. Bah voilà, c'est bon. On est good? On est good. Allez, on passe par où, monsieur-dame? Non, par contre, en vrai, hein, je rappelle, 2015, je l'ai payé 1€. La réal, elle est là! Ok. Je rappelle, on meurt très vite. Par contre, j'ai récupéré de l'encre. Du sang noir, pardon. De l'encre. Oui, oui, tu me diras, c'est de l'encre. Mais c'est vrai qu'il y a des moments bien définis, en fait, où t'en récupères. Donc, faut faire attention par rapport à ça. Attends, je vois pas l'ennemi. Wow. Calmos. Je vois pas l'ennemi. Ah, là. Ok. Très bien. On est en couverture, messieurs dames. On est bien. Par contre, le pistolet mitrailleur, c'est peut-être pas genre la meilleure arme. Ok. Très bien. Ah, on est bien nous. Hein. La rue est dégagée. Restez là pendant que je me charge du sniper. Où ça? Attends, où ça? Wesh, où ça?
Il est où le sniper? Ah là! Oui non mais parce que attends les gars, si le scénario il ouvre les portes aussi, au bout d'un moment, moi je suis pas préparé hein. Ok go. N'approche pas pourriture. Quoi? T'es où? Je sais même pas t'es où. Ok. Ah! Non la blague! Je suis resté planqué pendant 20 ans. Le mec, même pas, il a montré le bout de son nez. Même pas. Ah d'accord. Très bien. La save elle est sympa quand même. Et c'est pas facile de rester en vie dans ce jeu. Hein. Vraiment pas. Alors. Et l'heure à l'heure. Attendez. Yop là. Bonjour. Ok. Ça va arriver. Ça va arriver. La question c'est ça arrive de quel côté? Ah, forcément. Ok. J'aimerais bien une grosse arme. Oula. Oh, toi tu me fais un truc que j'aime pas. Ok. Y'a rien d'autre entre les deux yeux. Yes, ça s'appelle la précision mon pote. Ça aussi. On est bon? On est bon. Oh. 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 Oh, triple canon. Mazette. Mazette, mazette. Je dis oui. Rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Attends. Parce que du coup... Yep là, pistolet mitrailleur. On s'équilibre. Yep là. Wow. Ok. Non, non, non les gars. Ah ils sont chiants hein. Je te vois pas. Pas pratique. Oh que dalle. Ok. Y'a ce bonbon hein. Y'en a partout des gars, y'en a partout. Non, non, non. Attends. On va peut-être se faire le grenier d'abord. Il est où? Il est là-haut. Yes. Ok. Yes. C'est bon, on est bien. La musique qui s'emballe, l'ambiance aussi. Les cadavres qui s'enchaînent. Ok. Good. Hein? Je veux pas de temps à perdre avec ça. En charge. En charge. Putain, y'a un gars qui a une termite. Enfin, le machin qui fait des termites là, je sais pas quoi. Yes. Ok. On a eu le plus gros. Montrez-vous. Quoi? Pourquoi il est pas mort? J'ai dit. Pourquoi t'es pas mort? C'est bon? Bien. C'est vrai que d'habitude, on te propose le tir à couvert comme ça, c'est-à-dire haute précision, hein, haute qualité. Mais t'as tendance à pas trop t'en servir. Et dans ce jeu-là, j'ai l'impression que c'est quand même vachement... vachement demandé, en fait. Genre, reste à couvert. Sors que ton flingue. Pourquoi pas, hein. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est juste parce qu'on n'a pas de réflexe. C'est un jeu qui prend... le style un peu à contre-courant, donc forcément. Ça fait drôle. Et rien d'autre? Allez. Même pas peur. Enfin, même pas peur, mais en vrai, j'ai entendu des tirs. Hein. Ça me met pas forcément à l'aise non plus. Où ça? Vous avez vu quelque chose? Attendez. Putain mais... Y'a un gars qui tire. Mais je sais pas où. Quoi? Dépêche. Tenez bon. Dépêche, dépêche, dépêche. Allez Michel. Y'a quelqu'un ou pas? Non. Ça on peut pas tirer à couvert donc. Ok, par là y'a rien. Presse-toi Michel, presse-toi. Me dis pas que... Ah non, je m'attendais à un crochetage en vrai. Ninja! Pu faire. En avant!
Moment couverture, hein. Ah oui, forcément. Forcément. Ok. Ok. Garde neutralisée. Mais... bordel. Attendez. On est à l'aise, mais qu'en partie, hein. Eh, j'ai pas autant de balles que ce qu'on pourrait croire, en fait. Attends. Je vois pas. Là. Mais... non, la blague. Prends ta balle, oui. Mais... prends ta balle, toi. Mais prends ta balle. Avancez. Ah, dis donc. Alors, restez baissés et ne bougez pas. Ok. Je peux pas... ah, je peux pas me décrocher de la fenêtre, en fait. Très bien. Très bien. Cible à terre. Je suis nul. Ok. Bouya. La concentration est là, messieurs dames. La concentration, encore et toujours. Maître mot du jeu. Il est pas long, mais en fait, faut vraiment jusqu'au bout être dans le move. Très bien. Ça, c'est ce que j'appelle une tête. Allez-y. Vous courez. Je crois que c'est la gorge. C'est pas vrai! Ah, mais j'ai un chargeur limité en fait. Parce que j'avais déjà 15 balles tout à l'heure. Toi, mon gars, même pas. C'est pas vrai! Salaud! Reviens! Reviens! Très bien! Ça, c'est fait! On est good! On est good! Ok, bon, je suis pas non plus à l'aise parce qu'en vrai j'ai un sniper et un pistolet mitrailleur. Bon, même si c'est équilibré en soi, c'est pas non plus trop la joie. Derrière vous. Hein? Oh non, hein. On est mort? Non, on est pas mort. On est pas mort, mais... wow. Ah si, ah bah voilà. Non mais si vous jouez à ce jeu, ne soyez pas ni youtubeur ni streamer. Parce que du coup vous faites d'autres trucs à côté. Et en fait le jeu ne te prévient pas. Je savais qu'il allait avoir un QTE, hein, je le savais. Truc de ouf, hein. Mais c'est juste que, comme par hasard, c'est quand je regarde qu'il y a rien, c'est quand je regarde pas qu'il y a la mort. Derrière vous. Ouais, bon, cette fois, je peux pas le louper. Yo. Non. Ah, merde. Pas avec moi, c'est possible. Alors, un petit chargeur dans l'estomac, plus le fait d'être tombé, normalement, on le vit pas bien, hein. Ouais, c'est la forme, la forme. Regarde, je bois un coup là. Ah, on est bien. Ah, c'est... ah, c'est du bon, hein. Les balles sont pas ressorties, mais c'est pas grave. Oh bordel, oh bordel. Cours. Oula, oula, oula. Bouge pas. On y va. Allez, allez. Meurs pas sur un truc aussi con. Non mais c'est dur. Je vais crever. Je vais tellement crever. Oh, je vais crever de ouf. C'est pas une promenade de santé. Bon sang, j'ai pas envie de plaisanter. Vous disiez avoir des preuves. Où sont-elles? Patience, chevalier. Nous y sommes presque. Il faut sortir d'ici. Je suis d'accord. Il ne faut pas s'éterniser. Oui, c'est quand même à ce moment-là que j'ai un petit peu du mal avec ce que le gameplay nous fait faire. Parce qu'en gros, t'as ce parallèle où, bah, quand l'histoire est là, réellement là, hein, via les cinématiques, tu sens qu'on joue un chevalier, un gars costaud, un gars qui peut encaisser un chargeur et ensuite se relever. Et t'as ce moment où on est sur le terrain. Et à ce moment-là, en fait, t'as plus trop l'impression d'être le même, en fait. Je sais pas, c'est peut-être moi qui le vis comme ça, parce que même après m'être renseigné, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir l'impression que le jeu est dur, en fait. Le jeu est dur. Alors que j'ai l'impression qu'il n'est pas censé l'être à ce niveau de difficulté-là. Je sais pas.
Mais derrière, tu vois, je peux pas critiquer le jeu parce que je l'apprécie, hein. Non, franchement, je l'aime bien. Mais voilà, c'est cette espèce de parallèle un peu chelou. Entre le moment où tu tiens réellement la manette, où t'es en plein gunfight, et là tu douilles sévère, et l'autre moment où tu suis un peu l'histoire, et tu te rends compte que le gars, c'est un Terminator. Voilà, c'est... Je sais pas. D'ailleurs, si on lui sort pas les balles, il a combien de balles si à l'intérieur? En roulant. Ah, d'accord, faut rester appuyé. On est bien. Ah, c'est un pont, d'accord. Ça devrait être bon. C'est un pont avec ce qu'il y a derrière. Ok. Je m'en charge. Non, je m'en charge. Ah, bah oui, du coup, oui. On s'est pas compris. Je peux atteindre le pont roulant d'ici. Yop là! Perfect. Ah oui, ok. Et du coup, on passera par là. Je m'occupe de la chaîne. Merci, Micheline. Michel et Micheline. Voilà. Couple parfait. De la Britannique. Pouvez-vous aller de l'autre côté? Je vais me débrouiller. Attention! Quand tu veux. Maintenant! On est bien. Ok. Bon bah voilà, hein? Petite promenade de santé. Attends, parce que là, ça tu vois, si je le laissais passer, à mon avis le scénario il m'autorisait pas à retourner le chercher par la suite. Ok, c'est le moment archi, messieurs dames, je sais c'est le moment que je pense pas tout le monde apprécie, mais s'il vous plaît, écoutons tous ensemble. 12 mai 1884. Aujourd'hui marque le 42e jour de notre voyage vers le nouveau continent. Messire Stanley est impatient de voir ce voyage se terminer afin de retrouver sa douce Afrique. Beaucoup de choses ont changé depuis son dernier séjour. Les sauvages de la région paraissent plus dociles et sociables que dans son souvenir. Attention, par sauvage, je ne veux pas parler des autochtones de cette terre mystérieuse qui constitue un peuple des plus merveilleux. Les sauvages dont je parle sont ces inconscients qui brandissent leurs armes à tout va et traînent dans les villes de ce grand continent. Nombreux sont ceux qui ont abandonné leur mode de vie et ont adopté des passe-temps plus civilisés. Nous nous dirigeons vers l'état du Nevada, un désert à perte de vue qui sera pour nous le chemin de la côte ouest de l'Amérique. Me voilà rongé par l'impatience et l'excitation à l'idée que dans 3 jours, nous serons enfin en Californie. C'est stylé, hein. C'est stylé. Quand ça mélange histoire et légende, c'est... Non, franchement... Déverrouillez la porte. Au niveau du scénar, ils sont bons, hein. Ils sont très très bons. Chevalier, par ici. On y va à 3. 1, 2. Ils sont là, vite ! Attention ! La porte, enfermez-les ! Ok, bon bah on est parti, monsieur dame. Round 2. Booyah ! On est bien. Et on enchaîne. C'est... Attends, c'est une sulfateuse? Non, c'est pas une sulfateuse. Non, c'est pas une sulfateuse, mais ça pique un peu son truc là-bas. Attends. Oh! Oui, j'avais pas vu. Ok. Allez, go! Go, Michel, go! En plus, y'a que toi à l'étage. Donc là, t'as pas d'excuse. Attendez. Vous énervez pas, les gars. Vous énervez pas. Ah ouais, non, c'est complètement con. Non! Angle mort! Très bien! Good! Very good! Aïe, aïe! Ça pique! Good! C'est bon? Reste lui là. Eh, les tirs à dispersion, ils sont où? C'est bon! Oh oui, il y avait ça aussi. Oui, mais le pont dans les espaces confinés!
C'est la vie. Non. J'ai dit non. C'est bon. Pour le moment. Parfait. Bien. Et bah voilà. Pas très très compliqué. Hein. J'ai quand même hâte d'avoir le fin mot de toute cette histoire. Parce que même si le complot et le fait d'être dans le mauvais camp, on l'a vu venir depuis le début, hein, ça sentait la pourriture à plein nez. Mais j'ai hâte de savoir. Il y a assez de place pour passer. J'ai hâte de savoir comment tout ça, ça va se finir. Moi, je suis sûr d'un truc. Lancelot, c'est pas un gars bien. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Parce que tout est contre lui, tout. Même la légende. Ils ne comprendront jamais. Mmh. On en est à 26 minutes. Ah, bon, on est bien, on est bien. Parce que j'ai choisi de vous faire des gros épisodes. Davy, tout va bien. Parle sans crainte. Davy, vas-y. C'est comme sur le dirigeable, Rani. La cargaison est pour les Amériques et les Indes. Combien ? Plus du double des précédentes. Il rattrape le temps perdu. Cette cargaison ne doit pas atteindre les côtes du continent. Et puis, l'alerte maximale est lancée. Ils ont dit son nom. Ils préparent une réunion. Ce n'est pas encore perdu. Quel nom a été mentionné ? L'un de vos chers lords. S'il assiste à une réunion, vous le verrez par vous-même. Là où il n'y en a pas. Regardez la cargaison, nous verrons si j'affabule. Rani, qui a cause peut-il passer? Pichani qui t'aille sa malta et qui patoki. Ton voisin Rosrunega. Agarus nenei batmanito. Son compte sera réglé. On y est, monsieur dame. Par ici, Rani. La Rani de Janzi. Je vous surprends encore, chevalier. La reine guerrière qui a pris les armes contre notre armée en Inde. D'après nos généraux, vous avez péri à Gwalior. Ouais, je sais, je suis chiant. J'ai toujours profité du fait qu'on me sous-estime. Le lieutenant indique leur emploi. D'accord. D'un coup, comme ça, droit comme un piqué. Très bien. Ah oui, je m'en doutais. Me faire croire à moi qu'il n'y a pas collectable. Le voyage oriental remonte à longtemps. Très bien. On est good. On est good. Mesdames ? Où êtes-vous, mesdames ? Très bien. Trois petits tours et puis s'en vont. J'arrive. Chevalier. Mais qu'il est chiant, aller à l'opposé de tout. Mais qu'il est chiant. Ah, ah ah. Et pourtant vous vous moquiez de lui. Oh, il est stylé ce navire, hein. Ah, c'est... Attends. Non. J'allais dire c'est le Titanic, mais non, c'est pas le Titanic ça. Non. C'est pas le Titanic. Alors, pardon. Là, la cargaison est chargée. Il faut absolument éviter qu'elle ne quitte le pays. Vite. Le
La sortie est par ici. Oui, non, mais c'est pour ça, en fait, Morse. C'est ce que je me suis dit. Parce que du coup, par rapport à ce qu'on va, des fois, on a tendance à inverser un petit peu les événements, tu vois. Attendez. Et rien d'autre? Genre, fais-moi croire qu'il n'y a rien d'autre. Ouais. C'est cela, ouais. Très bien. C'est l'heure du crochetage. D'ailleurs, au passage, crochetage qui est totalement optionnel. Bonjour, bonsoir, c'est la première fois que je regarde un de tes lives directs et je vais en profiter pour te poser la question. Comment fais-tu pour être si... Oh, c'est trop mignon, merci Zex! Pour être aussi génial, habituellement je ne reste pas aussi longtemps sur un youtubeur. Bah, c'est une question qu'il est difficile de répondre sans utiliser un chouïa d'ego. Donc, je vais dire que j'essaye d'y prendre un maximum de plaisir. Et j'essaye d'être 100% véritable. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où tu te joues un personnage, je pense que c'est là que t'as du mal. Parce que si déjà tu te trompes toi-même, je peux comprendre que certains le font très bien. Certains en jouent d'ailleurs, hein, certains le savent. Mais voilà. Je me suis fié à moi-même, je préfère être moi-même. Ok. Une donnée d'archives, messieurs, dames. Oui, je sais, il est chiant avec ses archives. Scénario. Enfin, scénario. Écoute. D'accord. Ça fonctionne, ce truc? Hein? Non, oui, je sais, mais je... Juste parler dedans, d'accord. Bon, allez, je prends ma voix solennelle. Allons-y. 13 octobre 1886. Équipe d'inspection 1047. Numéro de badge S387J, Blackwall Yard. Dernier journal d'inventaire de la deuxième cargaison, dirigeable Ag... C'est ça, Agamemnon. Immatriculation GFAXX. À destination de Lakehurst, New Jersey. Arrivée prévue le 15 octobre 1886. Aucun conteneur ne manque. 425 caisses, dont 396 marquées. La cargaison est pour ainsi dire presque intacte, scellée et sans aucune trace suspecte. Toutefois, il est à noter que 16 conteneurs ont été jugés compromis et invalidés pour ce type de voyage. Conformément aux instructions, ces conteneurs et ce qu'ils renferment sont actuellement en cours de destruction. La répartition de la cargaison à l'arrivée et le transfert des marchandises devront être pris en charge par l'officier le plus gradé présent à bord. C'était l'équipe d'inspection 1047 confirmant la vérification du journal d'inventaire. La cargaison est désormais prête au transport. D'accord. Ok. Bon. En vrai, toutes ces données d'archives qu'on récupère sont jamais pertinentes pour le scénario ou quoi, mais... Mais bon, on les récupère, hein, donc pour ceux que ça intéresse, ça fait toujours des données en plus. Davy, va surveiller les voies de secours. Rani, je vous accompagne. Je dois vous protéger. Davy, c'est un ordre. Traverser le navire pour atteindre l'entrepôt principal. Eh, je vous l'avais dit, hein. Une vraie Assassin's Creed, elle. Très très bien. Très très bien. J'arrive, hein. J'arrive. Excuse-moi, tu me connais maintenant. Je pense que t'as l'habitude. Yes, on est bien. On est bien. Donc, je le disais. Yop là. Ouais. Je suis un assassin. Restez sur vos gardes pendant que je fais monter la plateforme avec la manivelle. Elle n'ira pas plus loin. Aidez-moi. Je vais jeter un coup d'œil.
Il y a beaucoup de gardes. Nous devons faire vite. En fait, cette série, elle est pour tous les Kazma qui voulaient qu'on fasse Assassin's Syndicate. Non, parce qu'on est dedans, hein. On est dedans. D'ailleurs, je suis même sûr que ce jeu-là, oula, est meilleur que Syndicate. Après, je peux pas juger non plus, hein, je l'ai jamais fait. Mais voilà, de ce que j'entends ici et là, Syndicate, bon. Yip! C'est bon. Donne panique. Aidez-moi à monter. Vite. Qu'est-ce que... Des intrus! Alertez la garde de Hastings! Les intrus sont ici! Mettez-leur d'Hastings dans le lieu sûr! Mais c'est pas vrai, Et c'est un délire hein, d'être discret dans le jeu. Ok, boum, ça c'est fait. Hop, Abraham Lincoln sur la cheminée. Ensuite, qui d'autre? Qui d'autre? Arrêtez de bouger, les gars. Bouya, dans la beubar! Parce que la beubar, quand même, tu sais. Oula! Y'a un casquet. Y'a un casquet. Attendez, parce que le casquet c'est une priorité. Watch out! Attends. Bouya, bouya, bouya! C'est bon, on a eu le casquet. Ah, j'ai dit casquet prioritaire. Hein. Oh! Wesh! Oui, pardon, j'ai dit wesh. Je savais pas qu'on pouvait faire ça! C'est quoi, c'est Syndicate? Bah, c'est Animal Crossing Syndicate! Gne. Mais franchement, tout le monde le sait. Eh, c'est dur à tuer. Homme de la compagnie à terre. J'essaye d'avoir un truc. Un truc qui s'appelle un trophée. Un trophée que j'ai vu. Mais... C'est pas grave, hein, je nique mon ratio de précision, mais c'est pas grave. Par contre... Ah! Oui, d'accord, ok. Fusil à lunettes. Il y avait un fusil à lunettes, je sais plus. Genre tout là-bas. Attends. Ah! Il est là. Alors, messieurs, bouge pas. Boya! Hop, couché. Sur le pont. Il faut avancer. Eh bah, avançons. Hein? On tire d'où? Attends, d'en bas? C'est une blague? Ah, mais oui, vraiment? Très bien. Oh, le chapeau! Oh, la tête! Oh là! Alouette! Vous manquez à camerder. Eh, hey, j'ai touché le sol. Hein. Tellement, j'y croyais pas. À part ça, bon. Je me fais canarder. Ok. Très bien. Je fais qu'est-ce que je peux. C'est marrant parce que Zex il arrive et il nous parle de corps à corps dans le jeu. Et effectivement, je disais que c'est justement un jeu qui est pas fait pour le corps à corps en fait. Mais c'est impressionnant parce que, genre pas du tout, faire du corps à corps dans le jeu, c'est risquer sa vie, hein. C'est, même contre un gars, one to one, face à face, ça passe pas, hein, ça passe pas. De toute façon, à chaque fois qu'on a essayé, on en a fait des frais, donc... Non, ça passe pas, hein, Oh, what? Non, c'est des mines collantes. Damn. Attends, je vais où, du coup? Je vais où du coup? Oui, non mais d'accord, ça c'est bien de... Attends. Là c'est le moment où t'as l'air con... Ah, d'accord. Je me charge de cette manière. Ce que je veux dire parce que t'as pas suivi le scénar. Ouais. C'est bon. On y est, Don't panic. Il était un joyeux navire. Qui moulinait, né qui moulinait. Oui, oui. La dernière personne qui m'a dit « On mouline !» C'était mon instructeur de VTT en camp de vacances. Et c'était
il y a bien des années, quand j'étais jeune. Quand je n'avais pas encore un poil sur la gueule. Non, c'est vrai en plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me la laisse pousser parce que je me rends compte que sans, j'ai une tête qui ressemble à rien, hein. Je pense qu'on est d'accord. Je fais partie, voilà, de ces têtes qui s'épanouissent pas sans barbe. Parce qu'on a rien de physique, en fait. J'ai une tête ronde. Qu'est-ce que je veux faire avec une tête ronde? Même quand j'étais maigre à fond, j'avais une tête ronde. Il monte à bord du bateau. Soyez prête. On va devoir forcer le passage. Et bonjour aux Kazma qui nous rejoignent. Ah! Il y a plein de gens. Il y a des gens Charles, des gens Thierry, des gens Marc, des gens cons. Hein? D'accord. Il était un petit navire. Très bien. Je sais pas si j'ai eu un gars. Wow! Attends, il y a un genre quelque chose là-bas. Des balles? Non? Waterfoot? Très bien. Attendez. Parce que moi j'aime les corps à corps, hein. Mais les corps à corps ne m'aiment pas. Nuance. Oh! Mais toi tu me cherches aussi. Mec, aïe! Très bien. Eh, si jamais. J'avais eu à mourir sur ça! Ah, mais les gars, ça l'aurait pas fait, là. C'est bon, les méchants. Oh, les méchants. Oui. Ah, touché. Touché. Pas coulé. Oula. Il est chiant, lui. Oh! Gaston! Eh hey, mais, faites exprès ou bien? Attends. Ouais mais non. Wow! Y'a du renfort! Cours! Ok. Putain, j'étais presque... Ouais mais non. J'étais presque prêt à faire un corps à corps. Et par contre, j'avais pas vu mais... ça démembre, hein. Par contre... On parle du lance-mine qui marche une fois sur deux ou bien? Enfin une fois sur dix? Ah, j'ai plus qu'une mine. Nickel. Yes, au moins j'ai fait un mort. Pour la fin. Pour la gloire! Tikaikata, tikaikata. Hey! Oh ouais, oh ouais. Il faut que je recharge. Je l'aurais mon trophée, hein. Je l'aurais. C'est bon, on l'a eu, Gaston. Bien. Bien bonbon, bien bien. Eh bé. Qui emmerdouille. Bon, alors. C'est PNG invincible. Bah, en vrai, je sais pas s'il y a eu un patch correctif ou quoi, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu une vraie mise à jour quand j'ai installé le jeu sur PS4. Exclu PS4, hein, je rappelle. Mais j'ai vu que... dans les mauvais points du jeu, c'était indiqué comme quoi l'IA avait une intelligence de merde. D'accord. Alors, honnêtement, j'ai vu 1000 fois pire. 1000 fois, hein. Franchement, enfin, moi, je trouve que l'IA, elle est pas à plaindre, hein. Vraiment pas, hein. Ce que je veux dire, même si j'en meurs des fois parce que t'as un PNJ qui reste caché derrière une caisse pendant 3 heures. D'accord. Cela n'a rien de surprenant. Mais la compagnie exporte des munitions partout. Donc, quoi. Oui, Nad. Oui, tu l'auras ton bruit. Vous l'aurez votre bruit. Vous l'aurez votre cri de victoire. Oh, ça fait peur, ça. Il y a Raven qui est passé par là. Oh. Oh, les vraies armes. Oh, oh, les vraies armes. Oh, oui. Ah, par contre... Cela ne vous étonne pas du tout? De quoi? Que des gardes devant surveiller des caisses soient armés jusqu'aux dents? Ah, si, si, oui, ni comme ça. Trouvons ce pourquoi. Il y a quand même un truc, hein. Il y a quand même un truc. D'accord. Je rappelle que là, pour l'instant, on a retourné notre veste, mais on sait pas encore trop réellement pourquoi. Donc il y a des choses qui commencent à nous faire tilter. C'est Perceval? Alors, suite gauche, je sais pas. Un petit côté. Non, c'est pas Lafayette, ça. Je sais pas. Non, je sais pas.
Bah ouais, ouais, j'avais des armes en papier mâché. Non, mais je suis désolé, mais. Genre, la... ça, c'est la. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est la mitraillette des chevaliers. Et en vrai, elle est impressionnante. Non, vraiment, je l'adore. Je l'adore. Après, j'avoue, ça vaut pas l'arme des Ghostbusters. Par là. Qui, elle, est incroyable. À mon signal, il faudra me couvrir. Plus personne. Cela n'annonce rien de bon. Ils sont partis se regrouper. Nous n'aurons peut-être que quelques minutes avant qu'ils ne reviennent. Bon, maintenant l'épreuve. À votre guise. Mmh. On se rapproche d'une lourde vérité, hein. Ça pue le traquenard. Le gros traquenard. De toute façon, c'est à partir de là que c'est parti en sucette. Hein. Et maintenant ? Inspectez tout. Cherchez une marque distinctive sur les caisses. Les caisses que nous cherchons portent l'insigne de la compagnie sur les côtés. Alors. Celle-ci est marquée, mais elle est bien trop haut. D'accord, donc en gros, on cherche une caisse à hauteur, parce qu'on n'est pas chiant, hein. Avec le logo. Ah, attendez. Parce que ça a l'air aussi d'être une zone incollectable. Attendez. Je fais un premier tour. Voilà. À la recherche d'objets à récupérer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est une ampoule! Oh la vache! Ah oui, d'accord! Oui, alors, hein, comme tout le monde, je sais que les ampoules ont eu plusieurs formes au fil des années, mais. Oh la vache! Ah oui, d'accord, ok, je. En même temps, il était un peu cracra. Hein. Attendez, hein. Dernier petit marathon. C'est mon dernier tour de terrain. On est bien. On est bien. On est bien! Alors. Caisse à hauteur. Portant l'emblème de la compagnie. Tout didou didou. On doit en trouver un qu'on peut atteindre. Yes. Ah, j'en ai trouvé. Et ben voilà, on y est, monsieur là. Dame. C'est sûrement l'heure des révélations, les vrais. Aidez-moi à le descendre. Et bonjour, bonsoir aux Kazma qui nous rejoignent. Bienvenue, on est sur The Order 1886. Et il se passe des choses. Révélation. Pied de biche. Regardez bien. C'est le mal que nous combattons tous les deux. Des vampires. Impossible. Comment ? Les hybrides renforcent leur pouvoir. Grâce à la protection des licans sur votre territoire, Hastings et ses amis vampires cherchent à infecter Lord tout Hastings le... ne peut pas être l'un d'entre eux. Nombreux sont ceux à Whitechapel qui ont aperçu votre noble lord au cœur de la nuit, errant à la recherche de pauvres femmes. Les victimes de l'éventreur. Vous les appelez ainsi. Et comment croyez-vous qu'ils soient toujours parvenus à passer au travers des mailles du filet du commissaire Doyle ? Whitechapel est maintenant devenu leur terrain de chasse. Combien d'autres y en a-t-il ? Assez pour infecter une ville. Nom de Dieu. Oh la vache ! Ah déjà comme révélation, c'est pas mal. Mais alors, waouh! Oh, l'idée, elle est trop bonne. Non, en vrai, la révélation, elle est vachement bien, là. Oh là là! Nous devons détruire cette... Non, parce que, levez la main. YouTube, lève la main. Si tu t'attendais
a trouvé un vampire dans la caisse. Je parle pour ceux qui découvrent. Non, parce qu'on l'avait abordé l'idée. Et du coup, Lord Hastings, c'est Jack l'éventreur. Le délire. Mais c'est génial. Par contre, c'est moi ou elle s'en est barbotée sur la tronche? C'est de l'eau bénite? Pas de l'eau bénite, hein. C'est de l'essence. Elle s'est foutue de l'essence sur la... Je mets le feu à celle-ci. Chargez-vous d'une autre. Non mais oui, bien sûr, Lycan et vampire sont de pair. Mais en fait, je m'attendais à... comment dire, des easter eggs à base de vampires. Je m'attendais pas à ce qu'ils mêlent totalement les vampires là-dedans. Parce qu'en vrai, jusqu'à présent, on n'a rien eu. Hein. Celle-là est prête. Waouh. C'est vachement bien amené en vrai. Je suis beaucoup trop fan. Mais allez. Du coup, par rapport à ça, je vois pas trop comment tu pourrais faire une suite logique aux événements en fait. Ou alors amener ça sur la première ou la seconde guerre mondiale, à la limite. Avec un The Order 1914. Oh, ça pourrait être pas mal ça. Ou 45. Eh, en vrai. Si en vrai le concept il est bien, hein. Venez m'aider à monter. Un délire avec des nazis zombies. Ouah, ça pourrait être trop bien. Un peu à la Wolfenstein en fait. Mais en... Je vais pas dire en mieux scénarisé parce qu'après on va dire que je critique Wolfenstein. Enfin je veux dire... façon The Order. Et en plus avec le délire la steampunk qu'on a, déjà dans les années 86, imaginez qu'est-ce qu'on pourrait avoir pendant les guerres mondiales. Non mais parce qu'en vrai, les événements de l'histoire comme ça, on les remanipule comme on veut, hein. On pourrait même avoir un espèce de The Order origine. Avec Camelot, le combat contre les démons, les invocations sataniques. En vrai, bien amené, hein, parce que si tu nous fais un open world à la The Witcher façon Camelot, bon. Si, je dis oui. Très bien. Mais en fait, la force du jeu, là, c'est que c'est très scénarisé. Et c'est un film, en fait. C'est un film interactif, clairement. Ah. Pendant un moment, je me disais que... Ouais, non, je vais garder mon flingue à moi, parce qu'il est mieux. Pendant un moment, je me disais... ce qui serait bien... Enfin, ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir plusieurs fins. Mais quelque part... si t'as une seule et vraie fin, ça veut dire que normalement, en toute logique... Elle est censée être réellement travaillée. Passons suivante. Donc on est censé avoir une vraie conclusion intéressante. Reste des caisses. Je m'occupe d'eux. Oh lolo. Eh, là par contre, j'avoue, le jeu, il a sorti ses grosses boulasses, il les a mis sur la table. Hein. Ah là oui. Là je commence à être fan. Le scénario, j'aime beaucoup. J'avais dit. La mise en scène et tout, c'est bien, mais moi, il faut que le scénario, il me plaise. Ah, je dis oui. Après, effectivement, je peux comprendre que ceux qui l'ont payé 60 balles, Day One, ça pique un peu pour 6 heures de jeu. Maintenant, oula, je rappelle, 1 euro, un appel. Par contre, du coup, on en parle de la durée de la VOD ou pas? Ça vient de trouver un spot. Watcha! C'est pas grave. De toute façon, cet épisode, c'est pas grave, la révélation. Je rappelle, voyez ça un peu comme une série Netflix. Hein. Et en vrai, si on avait... Si quelqu'un sait un jour me faire une intro Netflix en remplacant le truc par Kazma Production ou un délire comme ça, bien fait, je vous jure j'en fais mon intro. Ça arrivera jamais, mais si ça arrive, ah ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Ok. Très bien. Ok. Et par contre, c'est la foire où Abraham Lincoln, hein. Ah, c'était un clan à l'époque, hein. On va les appeler les Lincolniens. Faut le savoir. Oh. Ah, non, d'accord. Je crois qu'on était en illimité. On s'arrache. Il y a d'autres caisses là. On s'arrache. J'en descends. Oui, quand tu veux. Allez, on bouge. Tu as drôlement changé ton avis sur le jeu vu l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as commencé le tout début. Oui. Parce qu'en fait, je trouvais le jeu sympathique,
Mais voilà, en dehors de sa réal, je trouvais que le jeu au niveau des mécaniques était un peu dur. Même si je le trouve toujours un peu en partie. Bah en fait, finalement, on peut l'excuser par rapport à tout le reste, quoi. Parce que attention, hein, il a quand même des mécaniques de jeu qui sont pas vieillissantes, parce que c'est pas vrai. Juste, elles sont durcies, quoi. Okay. Y a pas d'autres gars qui nous foncent dessus, non? Calme-toi, Michel. Par contre, il y a une ambiance très Dark Souls, hein. Moi, je dis ça. Ok, là! Montrez vos têtes, les Lyconiens, là. Ah ouais, ça fait rite, hein. Quoi? Attends. Oh là! Là, là, là! Salaud. Ah mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouh. Non. Non, les gars. La grenade. Alors, est-ce que je suis le seul qui a eu cette impression que la grenade est arrivée et que je n'ai même pas eu l'occasion de bouger, en fait? Eh, c'est chaud, hein. C'est chaud. Pas trop le temps de viser la tête, en fait. Ça aide bien, hein, mais c'est pas la solution miracle non plus. Montrez-vous, c'est tout. Wouhou. Bah. Cette zone est en flamme. Je passe à la suivante. Ah, oh d'accord, pardon, ça progresse en parallèle, j'avais pas vu. Bah si, elle a dit, hein, qu'elle cramait tout en bas, mais j'avais pas vu qu'elle était en train de s'en occuper. Cible à terre. Oh là là. Casse-toi, dégage. Yes! Gâchette facile! Parce que j'ai tué un certain nombre de gars sans viser. Wow! Michel! S'il te plaît! Très bien. À couvert. À couvert? À couvert. Mais je trouve pas beaucoup de phases qui sont propices à la grenade, en fait. C'est un peu perturbant. Non! Je l'ai pas vu! Oh, je l'ai pas vu. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Attendez. Non, je suis mort. Je suis pas mort. Passe pas le mur, tête de lion. Ah. Corps. Attends. Elle est horrible, cette phase. Meurs, Jean-Michel, meurs. Oui, Jean-Michel, meurs. C'est un prénom. Composé. Ah mais c'est lui en plus. Je vais mourir, je vais encore mourir. J'ai plus de balles, c'est la merde. Ah c'est la merde. Oui. Mais attends, parce que les gars là on a un petit problème. Genre il y a un gars qui envoie des grenades non-stop. Il y a personne qui veut lui dire de se calmer deux minutes. J'ai pas de vie, je peux pas sortir. C'est bon. Hop là. Ok, il est mort ou pas? Je crois qu'il est mort, yes. Ok. La pique. Oh bordel. Ça fait plaisir. C'était les dernières. C'est fermé. Ah! Ça c'est chiant. Un peu. Un lycan! Alors, par contre, du coup. La blague. Vous voyez, quand je vous dis que ce jeu, en fait, c'est pas un jeu à vidéo. Parce que du coup, t'as pas le temps de te retourner, de dire un truc, de. Tu vois. Faut tout le temps courir, accélérer, avancer, faire ta vie. Quoi. Oh Michel. Calmez-vous. Ok, on gère. Waouh. Il y en a plusieurs, hein.
Vas-y, viens. Allez ! Oui, donc, quand je parlais d'ambiance à la Dark Souls... Non, non, je... Merde. En fait, quand tu vises, t'as pas le moment esquive-croix, tu vois. Moment à Dark Souls. Musique, musique. Voilà, c'est ça que je disais. Elle est où ma copine ? Où est ma copine ? Quelqu'un me trouve ma copine ? Ah, au moins. C'est bon. Oh merde ! Chef-le ! Meurs ! Salope ! Non, j'ai dit meurs. Ok. Oui, donc pas un jeu à vidéo. Hein. C'est difficile. C'est pour ça que je galérais, j'avais pas mon arme. Wow ! Counard ! Il en reste. Je sais pas où, mais il en reste. Et de deux. Sur combien ? 28 ? Il y a une porte par ici. Hein ? Elle aurait pu me dire par là, ça aurait été pareil. Et où êtes-vous ? Davy ? Je suis heureuse de t'entendre. C'est bon ? Êtes-vous blessé ? À l'aise. Non, pas encore. Mais fais vite, force la porte. J'arrive, Rani. Muscle Michel! Je ne pensais pas te revoir, ma belle. Comment as-tu fait? Le temps presse. Les forces de la compagnie sont au chantier naval. Prenons la fuite. Chevalier, nous n'avons plus le temps. Quittons cet endroit. Bon. Bah, messieurs, dames, du coup, on y est. Je pense. Fin d'épisode. A très vite, YouTube. Cette horreur doit être portée au conseil. Faites bien attention. La compagnie n'aurait pas réussi sans soutien influent au gouvernement. Vous avez pu voir sur les quais que même vos rangs ont été infiltrés. Si c'était bien le cas, alors j'aurais eu des... Cette guerre nous a opposés aux hybrides. Ils utilisent la United India Company pour semer la terreur dans le monde entier. Il faut nous aider. Je suis un chevalier. Je me dois de protéger le royaume, pas de provoquer sa chute. Ne vous fiez à personne. Bonne chance, chevalier. J'aurais aimé vous rencontrer en d'autres circonstances. Où dois-je vous trouver ? Dites mon nom à Whitechapel, et je viendrai.